Amazon de plus en plus rapide dans la validation des bouquins en papier. J'ai téléchargé hier soir la couverture et l'intérieur de ce bouquin annonçant ma candidature à la présidentielle 2022. Oui, ce n'est peut-être pas une surprise pour vous si vous suivez un petit peu mon actualité. Face au pilier de l'avoir, le candidat de l'être, un bouquin disponible simplement sur Amazon en papier à 11 euros et en numérique presque partout. Un bouquin de 168 pages et oui, et seulement 11 euros. Je peux vous fournir grâce à Amazon également des tarifs très très concurrentiels. Même Monsieur Mélenchon, je pense, ces livres sont plus chers, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça, je vous parle d'un des candidats de l'avoir. Ce livre sera également disponible en numérique sur Amazon. Pour l'instant, il est simplement sur Setwitch, qui est le distributeur numérique, donc qui va l'envoyer sur Kobo, qui va l'envoyer un peu partout chez quasiment tous les revendeurs de numérique qui acceptent la distribution indépendante d'immatériel. Donc voilà, en numérique, c'est seulement 4,50 €. Et oui, c'est... Voilà, donc je vous fais un petit peu la présentation. C'est la même des deux côtés. Stéphane Ternoise, classé 28e par le CSA en février 2017 parmi les candidats à la candidature de la présidentielle. Oui, il y aura d'autres vidéos, vous vous en souvenez peut-être, c'était il y a presque 5 ans et Monsieur Macron l'avait emporté, Monsieur Macron qui se présentait comme un candidat hors système. Si, si, c'est vrai, je reprends, j'analyse, c'est en 190 points que je vous apporte cette nouvelle voix. Et je vous invite également, car je stipule que aujourd'hui débute le véritable premier tour 2022, celui dont sont exclus les citoyens, la recherche des 500 parrainages. Au deuxième puis troisième tour, le peuple est appelé à départager le choix des grands électeurs. Tous et tous, je vous octroie une mission. Convaincre ces élus de permettre à la possibilité de l'être de participer à ce rendez-vous central de la République. Et comme je l'ai déjà dit, c'est en 190 points avec un mouvement qui va s'appeler, qui s'appelle donc la France harmonieuse. Donc Stéphane Ternoise, on ne sait pas, je ne sais pas si j'atteindrai les 500 signatures, mais cette fois je pars avec presque 5 mois d'avance sur la première version. Et c'est la première vidéo, car je ne pensais pas que tout serait déjà disponible en ce 11 juin 2021. Je pensais effectuer une sortie dimanche ou lundi, mais non, c'est déjà après. Merci Amazon, merci matériel, et vive la vente sur Internet, car naturellement, dans vos librairies traditionnelles, on n'y vend que les candidats de l'avoir.